passer dans une autre pièce, un peu plus grande, où je stocke ma documentation, qui est là, sur la droite. Alors ça va des bouquins, des artbooks des illustrateurs, jusqu'aux bouquins un peu techniques, astronomie, astronautique, parce que je suis assez passionné par tous ces domaines-là depuis que j'ai vu 2001, l'Odyssée de l'espace en 68, et l'année suivante, le débarquement des Américains sur la Lune. Donc, quoi dire ? Une vitrine aussi, parce que je suis aussi un grand colleur de plastique, toujours en rapport avec les influences. Donc là, c'est tous les lanceurs spatiaux, enfin une partie des lanceurs spatiaux. Il y a une vitrine avion, une vitrine figurine, sur la gauche, une vitrine science-fiction. Des bouquins sur les grands illustrateurs qui font partie de mes influences. Principalement quelqu'un comme Syd Mead qui a fait des recherches et des designs pour Blade Runner, entre autres. Ma principale influence, c'est quand même Foss, Christopher Foss, qui a fait énormément de couvertures de bouquins dans les années 70. Ensuite, il y a des gens comme John Berkey, John Harris, Robert McCall, plus des orientalistes du 19e siècle, comme Jérôme, des pompiers, comme Messonnier de Neuville. Voilà, c'est assez large, en fait, la palette d'influence. Ça se contente pas seulement du domaine de la science-fiction, comme les orientalistes, par exemple, qui sont particulièrement intéressants au niveau de la lumière. Quoi d'autre ? Des bouquins sur les voitures, par derrière, sur les voitures américaines. Derrière moi, des vidéos de science-fiction, évidemment. Star Trek, Stargate, 2001, enfin, tout y est à peu près. C'est à peu près tout dans ce coin-là.